Le Standard de Liège qui mène toujours 2-0. On voit mal maintenant la victoire lui échapper. C'est bien fait ça. Il y a peut-être un coup à jouer dans la surface. Oh, il faut frapper. Hors jeu apparemment. Un peu de coaching, c'est bien. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Le long dégagement du gardien. Et c'est directement récupéré. Un long ballon vers l'avant. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Oh, la victoire est vraiment méritée parce qu'ils avaient plus envie, parce qu'ils ont fait les bons choix et surtout parce qu'ils ont plus de talent. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Eh bien, tout simplement, on gagne, on prend pas de but. Tout le monde est heureux, non? Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci, Darren. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre à ne manquer sous aucun prétexte. Dans 90 minutes environ, on pourrait assister au sacre d'une équipe qui a réalisé un parcours superbe dans ce championnat. Mais pour ça, il lui faut impérativement s'imposer aujourd'hui. Autant dire que les joueurs sont extrêmement motivés. On les a vus à l'échauffement, il y avait beaucoup d'engagement, de détermination dans les taureaux comme dans les frappes au but. Espérons que ça va se traduire dans le jeu. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Bien, en tout cas, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Oui, ils ont réalisé une superbe saison. Et ils savent qu'en cas de victoire, tous leurs efforts seraient récompensés. C'est une véritable finale pour eux. On sent beaucoup de détermination. C'est un craignier qui ne s'effondre sous la pression de ce grand rendez-vous. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça les galvanise. Et c'est donc parti. C'est peut-être le titre qui va se jouer sur cette pelouse. Ça joue long. Va-t-il en profiter? Dans la profondeur. Le bon dribble. Allez, jusqu'au bout. Il peut encore frapper. Il n'a pas tremblé. Oh, que c'est bien joué. Ça pourrait être le tournant du match. Un but importantissime. Le gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir. Et il l'a payé cash. Mais quelle faute de main du gardien! Face à ce genre d'attaquant, ça ne pardonne pas! Les voilà donc devant, c'est un but qui vaut cher! Ce n'est jamais facile d'ouvrir le score devant un public hostile, attention! Si l'adversaire a été piqué au vif, il va falloir résister. Genk qui peut avancer. Allez, c'est joué long. Il cherche la profondeur. Le gros dégagement.
tentative. Le geste juste, capital. Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus, n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Alors là, chapeau, hein. Voilà une superbe réaction. Ils ont su rebondir immédiatement après ce but encaissé. Pour la profondeur, bien vu. Le Standard de Liège qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle. La faute. Joue en retrait. On voit beaucoup de jeux sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me semble l'anglais, mais j'ai raison ou pas? Oui, bien sûr. Mais c'est normal, quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Voilà tout. C'est clair avec vous. Il allonge le jeu. Non, il est signalé hors jeu. Il relance côté droit. C'est bien donné. La passe est précise. Oh, la frappe! Oh, le gardien est là, la classe! Et voilà une façon de faire briller le gardien. Attention, il y a des bons joueurs de tête qui sont montés. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. Les joueurs rentrent dans le vestiaire sur ce score de 1 partout. Rien n'est joué. Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout. Le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Le Standard de Liège, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Ils décident d'allonger le jeu. Bien joué à droite, il faut aller vite. Il joue en profondeur. 6 mètres. Hutton. Long ballon dans le sens du jeu. C'est joué long, attention. Il choisit de centrer. Ça joue long vers l'avant. C'est joué dans l'espace. Bien servi. Allez au bout. Il est... Oh, l'occasion. But. Et ils reprennent l'avantage. Quel raid solitaire, d'autant qu'il était sous pression là. Magnifique action, ce but. Il ne le doit à personne. Il est allé tout seul et c'est parfait. Et les voilà donc en tête.
Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable métronome. Il remporte son duel. Oh, le bon ballon! Cette fois, ce n'est pas passé, mais il a eu bien raison de tenter sa chance. Il s'est retrouvé sans solution, aucun mouvement, aucun soutien autour de lui. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Il allonge vers l'avant. Le Standard de Liège qui essaye de construire. La frappe, attention! Et il marque! Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Oh oui, super tir! Et voilà, avec 2 buts d'avance. C'est joué long, c'est dangereux. Sur la gauche. Il met le pied, ballon récupéré. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Il est bien placé. Il y a peut-être un coup à jouer. L'ouverture sur le côté. Le ballon dans la... Et la tête. Le but. Il marque en toute fin de match. Et ça, c'est un beau coup de tête, mais il ne faut pas oublier non plus la qualité du centre. Beaucoup de sang-froid pour mettre sa tête. Le geste était parfait. L'entraîneur fait rentrer du 109. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Alors là, toutes les conditions sont réunies pour une fin de match explosive. Faute, c'est indiscutable. On vit là les derniers instants de cette rencontre. Encore quelques instants et ils pourront fêter la victoire. L'arbitre siffle, le match est terminé. Ça y est, la libération pour les supporters dans les tribunes. Ils sont officiellement champions. Champions, quelle consécration. Et il doit y en avoir des images qui défilent dans leur tête. Toute cette saison, les victoires, les coups du sort. Mais ce soir, ils peuvent savourer.